parler de si je voulais convaincre un ami, qu'est-ce que je lui dirais? Bah, je lui dirais que le Pelé VTT, c'est un moment où on fait du vélo entre 25 et 30 km par jour. On fait des rencontres comme les gens qui s'occupent de nous au Pelé. Et ce sont des gens très sympas car ils nous font à manger, ils s'occupent de nous, ils nous aident quand on n'est pas bien ou qu'on s'est fait mal. Et donc moi je trouve que c'est un beau moment à faire. Voilà. Sur le chemin du Pelé, on rencontre beaucoup de gens qu'on ne connaît pas. Et ce matin, on a rencontré un monsieur qui s'appelle Monsieur Vernet. Il avait un gentil chien. Et donc on lui a expliqué l'histoire du Pelé. Et on lui a demandé s'il connaissait un peu Jésus et la chrétienté. Et il connaissait un peu. Alors un Pelé VTT, c'est aussi beaucoup de moments à partager, des rires. Et ce qui m'a fait beaucoup rire cette année, c'est lors d'un troc, une discussion avec une vieille dame que voici. Bonjour, monsieur. Bonjour, est-ce que vous voulez faire un troc? Ma foi, oui, mais je dois attendre mon époux. Ok. Ventaille. Bah alors nous, au Pelé VTT, chaque jour, on a une activité différente. Et hier, par exemple, notre activité, c'était faire du troc. Donc, on vous donne un objet. En l'occurrence, on nous avait donné un paquet de mouchoirs. Ça représente le paquet de mouchoirs. Et on devait échanger à des gens contre quelque chose, un objet d'insolite. Nous, on a réussi à avoir un coussin pour la tête. On n'a pas gagné, mais on s'est quand même bien amusé. Et c'est là que la dame nous a parlé de son fameux épouvantail. Ça!